J'avoue, je me sens un peu honteux, sa mère. 2 semaines sans sortir de vidéo, ça m'est déjà arrivé, c'est pas la première, c'est peut-être pas la dernière fois, on va essayer de faire en sorte que ça le soit, mais vous avez capté, il m'arrive de temps en temps des petites périodes où j'ai la flemme, où j'ai pas envie, où j'ai pas d'idée, où juste je fais autre chose, tu vois, avec la nuit à 17h, tout ça, machin. J'ai pas chômé en stream, mais j'avoue que vous, les frérots de YouTube, vous avez un petit peu laissé tranquille. Donc j'ai redégainé la caméra, le micro. J'aime bien ce petit angle de vue, ça vous permet de voir la une, ici, voilà, avec l'OL. Bon, pour ceux qui s'en rappellent, hein, Once Upon a Time, on avait fouetté Manchester City, c'était cool. C'est CPA qui m'a fait ce cadeau, c'était très lourd. En fait, le problème, je vais vous raconter, tu sais quoi, on va parler réalité, ok? Quand tu ne sors rien sur YouTube pendant quelques temps, quand tu reviens, tes premières vidéos vont bider. Parce que l'algorithme va considérer qu'il faut te sanctionner d'avoir été inactif. Donc là, je sais que cette vidéo et les quelques-unes après que je vais sortir vont pas trop marcher. Et c'est pas grave, vas-y, je vais manger mon pain noir, ça me dérange pas. Mais donc du coup, la question qui se pose, c'est, je reviens avec quoi? Je sais pas quoi sortir là, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais prendre la caméra, me balader un peu dans l'eau local, puis vous raconter, on est le 31 décembre, voilà, on est vendredi 31 décembre à 18h25 précisément, si vous voulez tout savoir, et il y a des choses cool, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit bilan de Twitch en 2021, je pouvais vous parler de mes émissions, je pouvais vous parler de 2-3 trucs qui sont prévus, je pouvais également vous parler de la mauvaise nouvelle, je crois que c'est le titre que j'ai utilisé pour essayer d'attirer votre clic, et puis voilà, donc, je vous parle de la mauvaise nouvelle, ensuite, je vous parle de Twitch 2021, je vous fais un petit report de mon année, ce que j'ai fait, ce que j'ai streamé, les stats, et puis après, derrière, je vous parle de mes émissions pour janvier, ce que j'ai prévu, comment je construis une émission. Quoi? Parce qu'en plus, il y a des trucs très cool. Je vais vous montrer. Oh là 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 là! On a fait du bon travail. Donc du coup, quelle est la mauvaise nouvelle? Vous l'avez compris, je comptais revenir sur YouTube à la base avec celle-ci pour ensuite d'ailleurs reprendre l'activité classique. Je comptais revenir avec le Zaccaro Libre sur PFUT qui aurait dû être le dernier épisode de 2021. Malheureusement, si vous suivez le frérot PFUT, vous savez qu'il a eu le Covid. Donc bon rétablissement à lui. Hein. Bon, je m'en fais pas trop, je pense que ça ira bien pour lui. Donc du coup, ça, on a dû annuler l'émission. C'est... J'avoue, je suis déçu. J'avoue, je suis déçu parce que d'une, c'était un épisode que vous attendiez énormément. Et c'était un épisode que j'attendais énormément de faire également. Ça aurait permis de conclure une très bonne année. On a quand même fait depuis 3 mois Zaccaro Libre sur ma chaîne et ça s'est super bien passé. Bah j'ai reçu quand même du monde et du beau monde. Hein. J'ai reçu Sky, j'ai reçu le frérot Kenyes, De Pielo, j'ai reçu les frérots de chez Camino TV, j'ai reçu Seb, bref, bon, voilà, les épisodes sont sur ma chaîne, vous avez capté, mais je trouve vraiment qu'on fait une très belle saison et elle va continuer ainsi en 2022. Et je pense que conclure avec PFUT, ça aurait été cool, malheureusement, bah ça ne se fait pas, sachant qu'en plus déjà de base pour s'organiser, c'était relou. Le frérot il est à Dubaï maintenant, tu vois. Donc il devait revenir en France. Et croyez-moi qu'en plus, le frérot PFUT, c'est mon gars, tu vois, mais le gars, il aime trop être occupé ou alors pas très attentif, donc du coup, faut le relancer une fois, deux fois, des fois trois fois. Donc ça a été des trésors de montagne pour essayer d'organiser ça le 28 décembre, donc ça devait être le 28, et pour trouver une production disponible entre le 25 et le 31, parce que souvent entre Noël et le 31, tu connais, les mecs sont là, hey, toi le travail, tu vas te faire foutre. J'avais réussi à trouver une prod qui était dispo, mais malheureusement ça se fera pas, donc voici la mauvaise nouvelle. Peut-être quand il reviendra en France, sait-on jamais, ou peut-être en ligne, ce serait moins sexy, mais bon, ce serait toujours mieux que de rien faire. J'avais fait Morgan en ligne et ça s'était quand même très bien passé, donc we will see. Après plus de 100 épisodes de Zaccaro Libre, j'aurais aimé re-recevoir PFUT parce que pour ceux qui ne le savent pas, il était déjà venu la première fois à Eclipsia il y a 4 ans. Voilà pour la mauvaise nouvelle, c'est maintenant que c'est encaissé, il n'y aura pas de Zaccaro Libre avec PFUT, en tout cas pas maintenant. Peut-être dans quelques mois, on verra. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour sur Twitch 2021, vu qu'on parle de Twitch et tout, c'est cool. J'ai quand même fait une première année pleine, donc là, je vous avais montré souvent mes stats YouTube, etc. Mais je vous ai jamais montré mes stats Twitch. Et vu qu'on est le 31 décembre, je me dis que c'est très intéressant pour vous de pouvoir checker un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on en est et tout. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi, ça peut être assez gaulerie de leur montrer un peu tout ça. Le dashboard, à quoi il ressemble, les statistiques qu'il y a dedans. Donc... let's go baby. Donc nous voici sur le dashboard, 365 jours 1er janvier au 31 décembre. Ceci sont mes statistiques d'une année pleine de stream. Une année où mon stream a connu plein d'arcs. Donc j'ai commencé l'année avec Cold War comme à ma reprise de stream. Puis ensuite il y a eu de tout, du FM, il y a eu du Rocket League, il y a eu du GTRP, il y a eu du Pokémon, il y a eu des concours de blagues, il y a eu du React, il y a eu du Vanguard, il y a eu du BF, du Halo, plein de FM différents. On a fait des carrières Séville, Sassuolo, LOL. Vraiment, à l'heure actuelle, la diversité qu'il y a eu sur mon stream, j'en suis très heureux. Et c'est ce qui fait qu'à des moments, j'ai vécu des moments moins énormes, mais des moments meilleurs. Et on le voit ne serait-ce qu'à la spectateur moyenne. J'ai 999 spectateurs en moyenne sur l'année. Ce qui est quand même pas mal. Avec des grands pics, les pics correspondaient souvent au Radio Street. Regardez, là, vous voyez, 3000 viewers, ça correspondait très souvent au Radio Street. Mais au fur et à mesure, j'ai vécu une période des fois un peu plus plate, et ce qui n'est pas du tout un problème. Mais entre, je dirais, mars et août, où effectivement, à des moments, je pouvais avoir un peu moins de monde. Quoique,
sérieux, je voyais quand même souvent des 1000 spectateurs en moyenne. En termes de spectateurs, j'étais quand même souvent pas trop mal, entre 600 et 1000 spectateurs. Ça pouvait dépendre. Des fois, j'étais peut-être un petit peu boosté par les concours de blagues, qui étaient quand même des choses que les gens aimaient bien. Mais à côté, j'ai toujours essayé de mettre d'abord au centre faire ce que j'aime. C'est très bête, mais après 6 ans de création de contenu, frère, j'ai arrêté d'aller chercher les vues avant de chercher ce que j'aime. Donc, je me suis jamais forcé à faire plus de react pour faire plus de viewers, à faire plus de concours de blagues parce que ça rapporte plus ou autre. J'ai d'abord essayé de faire ce que j'aime. Là où je veux revenir, c'est parce que cette période-là, en tout cas, pourquoi est-ce que je m'en rappelle quand une période moins faste, c'est parce que j'étais redescendu en sub. J'avais plus que 600-700 subs par rapport à des périodes où j'étais monté à 1500-1600, tu vois. Donc ça s'était moins ressenti sur les stats viewers. Il y avait toujours autant de monde qui regardait, mais moins de monde qui soutenait, sans doute parce que du coup je faisais moins de choses qu'ils aimaient déjà de base. Mais c'est une transition qui m'a été bénéfique parce qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, je suis revenu très fort à la rentrée. Et là, à la rentrée, ça a pété. J'ai fait mes plus gros mois. C'est des mois qu'on peut également voir sur Twitch Tracker. Des mois qui sont boostés par du coup Radio Street qui est toujours là, Zaccord Libre qui est revenu sur ma chaîne, qui a très bien marché, l'arrivée de Loop en novembre, on le voit également dans les statistiques. Là, regardez cette grande barre à 4414 spectateurs en moyenne. Bon, ça c'est Loop, tu vois, c'est un jeudi de décembre, je crois que c'était celui avec Yass. Il y a également eu celui avec Joël, Sardoche, etc. sur les plus grands moments du Twitch FR. Voilà pour le spectateur en moyenne. À l'heure actuelle, sans faire de jeu trop hype ou quoi, j'arrive souvent à avoir des statistiques correctes et une communauté qui est là tout le temps, et c'est trop cool. Donc vraiment, je suis très très heureux. J'ai gagné beaucoup plus, par exemple, de nouveaux followers sur Twitch que sur YouTube cette année. Alors que sur YouTube, j'ai quand même été assez actif, on va pas se le cacher. Mais 108 000 nouveaux followers, 11 000 subs. Franchement, le 11 000 subs, il est lourd. Hein. J'aime bien. Avec un temps de streaming qui est très, 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 je trouve, respectable. Sachant que j'ai des périodes où là, regardez, il y a 0 minute. C'est par exemple quand je suis en vacances. Mais tout en ayant géré des périodes de off, j'ai réussi à avoir 3 heures. Donc là, je suis à l'heure actuelle en moyenne par jour en live sur un an, 3 heures et demie par jour. Et ça, c'est un cumul entre des jours où je suis à 8 heures et là où je suis pas là du tout. Mais c'est plutôt rare. Comme vous le voyez, j'étais quand même grosso modo assez régulier. Tu vois, genre, les barres vides là sur le temps de streaming sont quand même assez ponctuel, et j'ai quand même réussi à avoir une régularité qui est plutôt bonne. La régularité, ce qui me manquait, et c'est ce que j'avais gagné en Estonie, c'était très cool. 10 937 subs, là... Vraiment, un mec comme moi qui arrive à accumuler 11 000 subs en un an, c'est absolument énorme. Donc je remercie tous les frérots qui se sont permis d'offrir de subs, de rester, d'envoyer leur prime, tout ça. C'est un soutien absolument monstrueux avec des jours, regardez, des jours où j'ai eu des fois 200 subs, 100 subs. J'ai eu plusieurs jours à plus de 100 subs, plusieurs jours à plus de 50. C'est très galvanisant et c'est très lourd. Donc ça permet également d'investir, ça m'a permis de faire ce local, ça m'a permis d'avoir des alternants, de faire mes émissions, d'investir et tout. C'est très important, c'est très cool. Les vues également. Et tout ça pour un total de 37 389 $. Et ça, c'est ce que je touche personnellement. Donc ça veut dire que ma chaîne a généré 30% en plus. Donc en réalité, comme vous le voyez ici, 70-30, c'est le partage comme ça de mon contrat. Donc j'ai un contrat 70-30, je touche 70% de mes revenus, des subs, et Twitch prend 30%. Donc ça, en réalité, si vous prenez ce chiffre, bah c'est 30% inférieur au vrai chiffre, tu vois. Donc en réalité, ma chaîne a plutôt généré aux alentours, je dirais, de peut-être 50 000 euros, peut-être un peu moins, 50 000 $. Mais en tout cas, voilà, pour toute l'utilisation. Là, je vois l'utilisation des émotes également, plusieurs centaines. Alors je suis dans un chat où ça se passe moins, je vois les clips qui ont le mieux marché, 210 streams sur la période, 210 streams en 365 jours, je pense que je vais faire un peu plus quand même. Ah, et c'est intéressant de voir également les chaînes qui ont des spectateurs en commun avec moi, regardez, et il y a 27% de mes viewers qui regardent également Yass, 25% qui regardent PFUT. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on me spammait de PFUT, 19% Domingo, 20% Kamel, et là je peux également voir les catégories, et paradoxalement la catégorie la plus suivie des gens qui me suivent, c'est d'abord League of Legends, après le Just Chatting, Warzone, FIFA, et 45% d'autres. Donc c'est des statistiques qui sont très intéressantes et que je trouve vraiment pas mal. Et là, c'est le prime ajustement des revenus créateurs, ça c'est le classique. C'est depuis qu'ils avaient baissé le prix des subs. Bref, franchement, je vais pas m'étaler sur les détails sur ça, mais très intéressant de checker ça. Une année sur laquelle j'étais très content. Maintenant, je stream déjà beaucoup moins de Call of Duty, voire plus du tout, pour être honnête, parce que Vanguard, l'état dans lequel il est à l'heure actuelle, le jeu, ça me donne pas envie d'y jouer. On en rediscutera dans une vidéo qui sera dédiée, mais je voulais qu'on fasse un petit point sur ça. Maintenant qu'on a parlé de ça, on se balade, on change de place dans le local et on va discuter des émissions qui vont venir dans les semaines à venir. Comment est-ce que je la prépare? Quelles sont les idées que j'ai au moment de les prendre? Comment est-ce que je travaille avec la team? Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça, on y va. Alors, du côté de Thomas, il y a eu une évolution que je trouve vraiment marrante. Il a acheté un tableau. Et un tableau où il note tout ce qu'il doit faire. Sachant que Thomas, vous avez vu, il est très actif sur Insta, il fait plein de trucs et tout, c'est grave cool. J'ai trouvé ça très inspirant d'avoir son petit côté avec le tableau. Et plein de photos ici. Ouais, être en coloc avec un artiste, ça a du bon, ça a du bon. Et ça, je voulais peut-être un peu moins montrer, mais on a terminé l'étage. Et là, je vais prendre mon PC portable, on va se poser à l'étage. Je vous avais dit au début du local que je voulais que l'étage soit pour chill. Regardez la couleur de ce canapé, comment tu veux que ce soit autre chose que du chill? Cette télé, c'est une Ambilight mes couilles avec les lumières derrière selon ce qui passe
passe à l'écran, c'est assez stylé. Très grand écran d'ailleurs. Bon, petite enceinte par terre, je vous cache pas que c'est pas très respectueux, hein. On s'en bat les couilles. Mais en réalité, je voulais me poser ici, sur ce joli canapé d'ailleurs, hein. Une petite maison du monde qui coûte pas trop cher, je vous le conseille. Pour vous montrer le genre d'idée et comment est-ce qu'on fait ici pour construire une émission. Donc déjà, pour Zach Henry, il faut savoir que c'est moi qui fais la prod 99% du temps. De temps en temps, on peut me suggérer des noms, notamment vous, mais sinon, en général, c'est moi qui me dis, bah tiens, je vais imaginer comment ça va ressembler, qu'est-ce que je peux recevoir, essayer d'avoir un truc cohérent, d'accord, pour éviter d'avoir, on va dire, une surcharge de noms qui ont pas... Enfin, qui vont pas trop ensemble, d'accord. L'avantage que j'ai par rapport à quand je faisais ailleurs, c'est que maintenant sur ma chaîne, vous répondez présent et donc je peux me permettre des fois d'avoir des mecs qui ne sont pas big sur Twitch. Avant, quand je faisais par exemple Zach Henry sur Vitality ou même sur le stream ou ailleurs, fallait que le mec que j'invite soit un gros streamer pour que ça fasse des viewers. À l'heure actuelle, même si j'invite un mec qui est peut-être pas spécialement streamer mais qui est quand même reconnu, bah ça fonctionne quand même et ça c'est énervé. Donc du coup, là pour reprendre, je reprends la semaine prochaine, on est le 31, donc la première émission revient le 4. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux avoir comme ça en un peu rapide, cool, sur un segment que je suis en train de pas mais en ce moment parce qu'il y a League of Legends qui reprend bientôt, il va avoir les LEC et tout, c'est très cool. Et bah là, je vais avoir par exemple, c'est la logique que je me suis dit, je vais avoir le frérot Robalas. Donc il y a le frérot Robalas le 4 janvier. Le 11, je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps. Et tu sais vraiment comment est-ce que je fais pour me faire cette ligne édito? C'est que je regarde un petit peu les différents profils que j'ai eu et je fais en fonction. Donc là, par exemple, ces derniers temps, j'avais eu, et là on va regarder un peu les invités, j'ai eu Skyrose, j'ai eu Magla, j'ai eu moi-même, ça, c'est marrant, j'ai eu Captain Roshi il y a pas longtemps, Seb. Donc depuis Seb, tu vois, ça fait longtemps que j'avais pas eu une personnalité internet un peu on va dire focus, pas forcément dans le stream. Et là pour l'instant pour le 11, alors c'est absolument pas confirmé, mais par exemple pour vous donner l'idée de genre de profil que je peux viser, j'ai invité Amixem. Voilà, Amixem, je trouve que ce serait cool d'avoir un pilier de YouTube, ça peut être énervé en tout cas. Le 18, on back dans le stream quand même, ce serait cool d'avoir un gars un peu plus généraliste. Et là, j'ai invité JL Amaru, il a accepté déjà, donc JL Amaru, c'est validé. Le 25, alors, j'attends de voir comment est-ce que je peux vous l'annoncer, mais je vais vous le dire quand même. Le 25, j'ai fait un partenariat pour les 3 prochains mois avec un média qui va me permettre d'avoir des invités que je n'avais jamais eu jusque-là, ou en tout cas que j'avais eu, mais à très petite dose. Donc je vous en dirai pas plus, mais ça va être une émission un peu spéciale. Zach en roue libre X, et vous verrez, ce sera de la frappe, c'est un peu de teasing. Et après, pour début février, du coup, j'ai proposé à Kamel. Donc là, voilà, je me suis dit, tiens, un gars qui est venu déjà à l'époque, mais voilà, ça aurait fait 5 ou 6 invités de différence entre Magla, qui elle était déjà venue, ensuite ça aurait été full first time, et là, hop, tu reprends un mec qui est déjà venu, tu vois. C'est un peu flou ce que je dis, mais vous avez capté. Un mec qui est déjà venu et qui revient 2-3 ans plus tard, 4-5 nouveaux, un mec qui est déjà venu, et je me dis que Kamel, ça fonctionnerait bien, surtout que ce sera dans les débuts de lancement de la LFL et tout. T'essayes de trouver aussi une actu qui correspond aux frérots, comme ça, quand ils viennent, ils ont un truc à dire, peut-être des fois un truc à annoncer. Pas forcément le but de faire que de la promo, tu vois, mais ça peut avoir un sens de les choper quand ils ont de l'actu. D'ailleurs, à la base, à la place de Robalas, je voulais avoir Chap, mais et quand je lui ai eu proposé, il m'a dit, bah gros, je quitte Solary et tout machin, je vais avoir besoin de streamer, je pourrais pas être là malheureusement. Mais si j'avais eu Chap là par exemple ce mardi, ça aurait eu un sens, sachant qu'il vient de quitter Solary. Voilà comment est-ce qu'on fait pour construire des invités, puis après au fur et à mesure on essaye d'ajouter des trucs, mais là il va avoir un nouveau dans un corps libre qui va vous faire très plaisir. Autre truc pour Loop, alors pour Loop, très souvent qu'est-ce qu'on essayait de faire jusque là, maintenant qu'il y a eu 6 émissions, on essayait d'avoir une idée de thème et ensuite d'avoir des invités en rapport avec ce thème. Sauf qu'à l'avenir pour Loop, on veut des fois avoir les invités d'abord, puis le thème à la rigueur derrière, tu vois. Et c'est sur cette logique qu'on s'est dit, bah tiens, comment est-ce qu'on pourrait travailler, comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Et là, Alex, il m'a fait une bombe avec Emma. Emma qui a d'ailleurs fini son stage. Je vais vous montrer un peu le doc, mais ça ressemble plus ou moins à ça avec... Bon, vous avez les thèmes des potentiels invités. C'est encore du préfet, mais voilà à quoi ressemblerait la chose. Thème, sap, streetwear... Il faut encore dégager une grande question de fond, mais comme choix d'invité, regardez, c'est tout beau. Camino TV, Supra, Vincey, la routine, avec un petit fil rouge, l'évolution de la mode, l'impact des influenceurs sur la mode, les hypes tournantes. C'est sur ce genre de choses, vous voyez, qu'on essaye un peu de tourner l'émission, ou en tout cas sur le gros thème qui à chaque fois est dans l'émission. Et ils m'ont fait plein de trucs. Thème les voyages. Et moi qui suis un grand voyageur, bah tu peux faire une tier list des meilleurs pays, ils l'ont mis dans le fil rouge, mais tu peux également parler astuces pour voyage, comment le faire, des différents profils de mecs qui voyagent. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Thème percer en étant jeune. Tiens, énervé, ne pas vivre une jeunesse normale, la gestion de ses revenus en étant jeune et influent, et là tu peux avoir Inoxtag, Hugo, Michou, Mastu, que des mecs qui ont percé très jeune. Et là il y a plein d'idées de thèmes comme ça, et je vais pas toutes vous les montrer, mais de youtubeurs à entrepreneurs, tu vois, des mecs qui ont commencé la vidéo et qui derrière ont monté des vraies boîtes, fait des vrais trucs, tu vois. Ah c'est marrant, là je redécouvre un peu tout ce qu'ils m'avaient proposé, là il y a des trucs très très cool, YouTube et la télé-réalité, TikTok. Là je suis sûr qu'il y en a, vous avez vu des thèmes, ça va vous chauffer à ce qu'il y ait une réelle émission. Mais voilà, grosso modo comment ça fonctionne un petit peu. Il y a mes frérots qui
me donne des idées, m'aide sur les choix d'invités. Moi, je donne mon avis, je dis ok, là c'est pertinent, là peut-être un peu moins, là peut-être faudrait que sur ce fil rouge, on construise plutôt de cette manière, et puis après derrière, voilà comment on construit l'émission. Donc pour Loop, par exemple, là c'est moi qui ai eu l'idée, la semaine pro, l'émission ce sera sur les agents de joueurs et de talents dans l'e-sport et dans le jeu vidéo. Donc par exemple, les frérots qui permettent aux influenceurs et aux joueurs e-sport de signer des contrats, gérer des deals, faire des OP, contacter des marques, signer des contrats dans des nouvelles équipes, des trucs comme ça. Donc là par exemple, je vais avoir Samuel qui gère JL, Job Life e-sport, et notamment Thomas et plein de trucs. Et j'essaye d'avoir également Drijoka qui lui gère Solary, tu vois. Donc ça c'est une émission avec un thème très pointilleux, mais qui est putain d'intéressant, et ça c'est lourd. La semaine d'après, j'ai Willou pour un thème plutôt foot, le traitement foot médiatique, etc. avec Willou et Walida Cherchour, normalement si tout va bien. Ça c'est un journaliste sportif qui est connu notamment sur les réseaux. La semaine d'après, c'est une émission Les Grands Moments du Twitch FR 2. Donc on avait fait le premier avec Sardoche et Joël. Alors on avait promis un épisode 2, bah normalement ça devrait être là. Sardoche, j'attends de voir s'il est dispo, hein. Peut-être qu'il le sera pas, mais on remplacera auquel cas. Et la semaine d'après, c'est une émission spéciale qui sera un peu plus sous forme de casting, sera le 27. En fait, Loop à l'heure actuelle, comment c'est construit, je vous le montre. T'as le début d'émission, t'as le gros sujet, t'as une chronique, ou en tout cas un autre sujet, et t'as le jeu, puis fin d'émission. Donc t'as 5 segments. Nous, on aimerait bien ajouter un 6e segment entre le début et le gros sujet qui va faire débat, qui va te faire discuter, qui possède un fil rouge, qui possède le genre de discussion et tout. On aimerait bien rajouter un format là-dedans qui va s'appeler la slide, d'accord, où on prend quelqu'un qui n'est pas forcément connu et qui viendrait nous raconter quelque chose, nous présenter un truc, que ce soit d'actu ou pas, qu'il fasse ou pas, pas forcément d'ailleurs qu'il fasse, hein. Ce serait plutôt comme une forme d'exposé, tu vois, c'est un peu pour ça qu'on a appelé la slide, et qui étonnerait de la chronique en ce sens, d'accord, et qui soit faite par un gars qui serait chaud de le faire. Et sauf que pour choper un gars qui serait chaud de le faire, parce que je veux pas forcément un mec connu, on a envie de faire passer des castings. Et pour ça, du coup, il y aura Soon pour vous dire, une adresse mail qui sera balancée. On va sélectionner une 10-15 de bonhommes qui habitent sur Lyon. Ce sera la condition sine qua non d'habiter sur Lyon, ou en tout cas les alentours, pour pouvoir être là d'une semaine à l'autre. C'est rémunéré d'ailleurs, au passage, ce genre de petit passage, mais après, bon, ça on en rediscutera. Et on veut faire une émission où en fait, on serait juge avec moi, Théo Clément de chez Popcorn, les frérots qui passent en général, des phasers, Justin, peut-être quelqu'un d'autre. Théo, pourquoi? Parce que lui, il a géré une grosse prod, il sait ce que c'est, ce genre de segment et tout. Et là, tu juges les mecs sur ce qu'ils sont venus te présenter, l'addiction, le charisme, la façon de parler, etc., etc. Donc, voilà comment on construit une émission. Là, il y a pas mal de thèmes qui vont nous servir pour février, mars, pour Loop, qui devrait continuer. Loop, qu'on a d'ailleurs déjà bien amélioré, que ce soit au niveau du fond vert, au niveau des trucs. Quand tu regardes la première émission et la sixième, bah, il y a des améliorations qui sont, je trouve, assez cool. On va s'occuper encore plus de la chaîne YouTube et de trucs cool à faire. Mais voilà pour les projets et voilà sur ce qui est fait. Je suis content de vous reparler un petit peu comme ça, un peu. Je sais pas, j'ai pris la cam, j'ai envoyé à la Zub. Que ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, je me suis dit que j'allais le faire. Dans cette vidéo, on a parlé d'un petit bilan Twitch, on a parlé de mes émissions et de ce qui va venir en janvier, comment est-ce que je l'ai construit, comment est-ce que je l'ai fait. Alors, j'ai été très en surface. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo beaucoup plus dans le détail de, par exemple, comment je construis un Zach en roue libre, comment je construis un Loop et comment est-ce qu'on fait des réunions pour ça. Par exemple, Emma a fini son stage, j'ai pris un nouveau gars, j'ai pris Jarod. Jarod, c'est un frérot avec qui j'ai bossé l'année dernière quand je donnais des cours, c'était un de mes élèves et j'ai vu que ce mec était un crack. Je me suis dit, toi, je veux bosser avec toi et je l'ai proposé de venir travailler avec moi. Donc, si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée sur comment est-ce que je construis vraiment une émission, comment est-ce que les détails, les fils rouges, les recherches, comment est-ce que je construis vraiment une interview, les questions, pourquoi est-ce que je trouve ça plus pertinent que d'autres et tout, je me dis que ça pourrait être pas mal. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et je suis content de vous retrouver, très content. Maintenant que j'ai sorti cette vidéo, et ben advienne que pourra, un petit like comme d'habitude pour récompenser ceci à la fin si ça vous a fait kiffer, et on se dit à la prochaine très vite les amis, bisous.